non, Julia n'est pas dragon, elle est en maillot de bain. Elle est c'est pas pareil. Ouais. Non, je suis lièvre pendant cette année du dragon. Bon, on a retrouvé Chucky, la poupée. En vrai, elle est américaine. Elle s'appelle Charlotte et n'a quelques semaines dans la vie uniquement. Regardez ça, on va la voir. Elle est très flippante. Oh, c'est son papa qui s'éclate. Non, c'est sa maman derrière. Bref, sans transition, la météo du jour, possédée elle aussi par le mauvais temps. Merci, pour la musique de Chucky. Le soleil se fait rare à l'inverse des nuages. Il résiste encore du côté de Marseille ainsi qu'en Corse. 1 degré à Grenoble, 7 à Paris et 11 à Perpignan. Le temps de la dit ailleurs, pas mieux que ce matin, prévoyez un parapluie pour vous abriter des averses. Il fera 8 à Lille, 9 à Paris et 17 à Perpignan. Vous avez vu Caroline faire Chucky ou pas? Arrêtez, après, allez. Je sens que c'est du lourd. La météo, la vraie, celle du lundi 23 janvier et on commence par une alerte orange capillaire. Regardez. Ah ouais. Oh ah mon ouais. Dieu, que s'est-il passé? Ça y est, il est chauve. Eh bien, ça y est, il a perdu un peu ses cheveux pour le savoir. Donc c'est Jude Law. Hein. C'est voilà, regardez ce qui s'est passé hier. Jude Law était invité. Non, oui. Attendez, attention. Non. C'est un déguisement. Mais foutez-lui la paix, il est très bien, Jude Law. Je crois qu'il reste. Bon, allez, pauvre. Allez, sans météo du jour. Tel François Hollande, je ne m'exhibe pas, je reste moi-même. Mais le soleil, lui, fait petit, une petite... C'est quoi la première phrase? Enfin, j'ai quand même mis un maillot de bain, une pièce aujourd'hui. Et blanc. Merci. J'ai cherché. Donc voilà, quand même deux soleils, l'exhibition de deux soleils du côté de Marseille et de la Corse. Les températures restent elles-mêmes également. 1 degré à Grenoble, 7 à Paris et 11 à Perpignan. Le temps de l'après-midi, un peu plus de soleil encore dans le sud-est cet après-midi, Léon. Oui. Ailleurs, ben, c'est pas mieux que ce matin. Prévoyez un parapluie pour vous abriter des averses. Les températures, 8 à Lille, Metz et Strasbourg, 9 à Paris et Lyon, 15 et à Marseille Angoulême et Angoulême. Aussi, très jolie ville. Ouais. Très jolie ville, Angoulême. Léon qui perd pas ses cheveux. La maximale du jour, c'est 17 à Perpignan. Et toi ça va, Léon? Ah ouais, regarde-le. Le Barça a gagné, moi. Mais est-ce que c'est possible de s'y attaquer au monde de la... Peu d'efficacité, pour une raison qui est tout à fait simple, c'est le fait que le monde de la finance, par définition... Alors, cela dit, il y a quand même des choses qui se sont... Il veut supprimer les stock options, il veut encadrer les bonus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, pour l'instant, je reste prudent, mais... Et un costume de super... Julia. Ces dernières années ont marqué la quasi-disparition des stylos dans nos vies, remplacés par nos petits doigts, notamment avec le boom des écrans tactiles. Du coup, plus personne ne pratique le pen spinning, c'est-à-dire un stylo entre ses doigts et de faire des figures avec. Mais heureusement, la tendance 2012 est donc du pen spinning, la preuve avec cette publicité pour une marque de tablettes numériques, Magneto. Mais oui, mais on n'y croit pas en vrai, c'est truqué. Non, je pense qu'il a triché là, Batmaning. Comme le bas, peut-être faire le pen spinning. Pen spinning, qu'est-ce que tu fais? J'ai du pen spinning. Aujourd'hui, le soleil se fait rare, à l'inverse des nuages qui résistent encore du côté de Marseille, ainsi qu'en Corse. Il fait 1 degré à Grenoble, 7 à Paris et 11 à Perpignan. Le temps de l'après-midi, un petit peu plus de soleil encore dans le sud-est cet après-midi. Ailleurs, c'est pas mieux que ce matin. Prévoyez un parapluie pour vous abriter des averses. Il fera 8 à Lille, 9 à Paris et 17 à Perpignan. Nous allons retrouver nos amis journalistes du Monde. Vous savez que depuis le mois de juin, 8 jours.